Bienvenue sur le dernier tour de circuit du Grand Prix de Montréal, première édition, donc l'édition 2010. Nous sommes donc au cœur du parc de l'Université de Montréal. Nous sommes dans le dernier tour de circuit, donc dans la côte de Camélien Hood, 1800 mètres à 8% avec cette route large. Après une première accélération de Levi Leifheimer, Robert Racing, 24 ans, le néerlandais de la formation Rabobank, a décidé d'attaquer dans les plus forts pourcentages. Derrière De La Fuente a été asphyxié, le coureur de la formation Astana. Il ne peut pas coller à la roue du vainqueur du Tour d'Émilie 2009. Le néerlandais continue sur la dernière partie de cette côte à creuser une petite avance, tandis que derrière, un groupe de chasse s'est constitué. Avec Aymar Zubeldia, vainqueur du Tour de l'Ain, Samuel Sanchez, que vous voyez à l'avant de ce groupe de la formation Euskaltel-Euskadi, deuxième du Tour de France et vainqueur du Tour de Burgos. Il y a aussi le jeune Norvégien de la Sky, Edvald Boasson-Hagen. Le Canadien Ryder Esjedal, quatrième du Grand Prix de Québec quelques jours auparavant, et sixième du Tour de France. Le Belge Maxime Montfort de la formation HTC Colombia, vainqueur du Tour de Bavière. Et surtout, un jeune Slovaque de 20 ans, Peter Sagan de la formation Liquigas, vainqueur de deux étapes du Tour de Californie, d'une étape du Tour de Romandie et de deux étapes de Paris-Nice. Vous voyez que derrière, il y a encore un groupe qui s'est constitué où figure Sylvain Chavanel qui, lui, en grande difficulté, il tente de s'accrocher à un troisième échelon de la course. Ensuite, Robert Racing fonce dans la descente, chemin de remembrance, et avec une vingtaine de secondes d'avance donc sur le groupe de chasse, où on voit surtout que c'est Sanchez qui fait le gros du travail avant d'attaquer le replat dans une partie un peu plus urbaine et un peu plus technique. Robert Racing va ensuite passer la fameuse côte de la Polytechnique, 700 mètres à 6% de moyenne, et au sommet de cette petite côte, Racing avait encore 15 secondes d'avance sur le groupe de chasse. Il va ensuite attaquer la dernière partie avec notamment le boulevard du Mont-Royal. Derrière, on collabore, mais de temps en temps, il y a quelques relais qui sont sautés. Ça permet à Racing de relancer et d'avoir son avance continuer à être autour des 10 secondes. Et donc, est-ce que Racing va remporter cette première édition du Grand Prix de Montréal? Lui qui a fini 3e du Grand Prix de Québec 2 jours auparavant, 5e du Tour de France pendant l'été, 5e de Tirreno, ou encore vainqueur de la 6e étape du Tour de Suisse et 5e du classement général de ce même Tour de Suisse. Racing s'accroche. Vous voyez que nous sommes maintenant dans le dernier kilomètre. Il y a encore une bonne dizaine de secondes d'avance sur ce groupe de chasse. Et malheureusement pour les coureurs qui sont en chasse derrière le Néerlandais, dans le dernier kilomètre, on pense déjà aux places d'honneur et on se surveille, tandis que Racing est arrivé dans l'avenue du parc. D'abord, il y a cette petite partie descendante à 5% avant les 400 derniers mètres de la course après un virage en épingle avec une petite montée à 4-5% de moyenne. Mais pas de souci pour Racing, il va donc s'imposer sur cette première édition du Grand Prix cycliste de Montréal. Vous voyez que ces directeurs sportifs sont super contents. Super victoire du Néerlandais. Derrière, Peter Sagan prend la 2e place devant le régional de l'étape, entre guillemets, le Canadien Ryder Esjedal. La suite du classement, 4e Zubeldia, 5e Montfort, 6e Sanchez, 7e Duque de la Cofidis, 8e Bocharov, 9e Gabazzi, 10e Balan. Ciao tout le monde.